Salut YouTube, ici Max Lassauce. Donc aujourd'hui, suite à ma vidéo du refill du shop ou bien du pack premium, lequel des deux est le meilleur pour avoir des venins mystiques. Donc ici, j'ai refill mon refill le shop, pardon, et voici mon résultat. J'avais deux venins mystiques, donc j'en ai eu 13 pour le même nombre de cristaux, donc 750 cristaux pour 13 venins au lieu de 11 venins pour les packs premium. Donc on va faire une petite summon session, pourquoi pas, juste un coup qu'on tombe sur quelque chose que j'ai pas, hein? Juste pour voir ma réaction de débile mental. Donc c'est parti. Rien de ça, je m'en fous. Ok, rien de ça. Rien de ça, ce n'est pas bon. Étincelle, je ne sais pas c'est quoi. Ouh, ok, un petit Horus. Feu. Est-ce que on peut avoir... Oui, c'est un autre 4 étoiles. Qui sort. Non mais vous comprenez pas là. Vous comprenez pas, guys. C'est sur mon compte principal. Ok. Vous comprendrez que j'ai gagné à tort le combo. Oh my god. Mais c'est quoi ça? Waouh. Je suis sous le choc. Je peux-tu l'éveiller? Ouais, je peux l'éveiller. Je suis sous le choc. J'avais... Attends, il reste des vélins. Il reste des vélins. Attendez, il en reste 8. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'autre? Hey, j'ai une béné. Waouh, ma béné qui a popé. Waouh, j'avais oublié ma béné en plus. Vous avez vu? Pas avoir eu de béné, j'aurais eu Pongback, que j'en ai vraiment rien à foutre. Mais non, j'ai eu Ator. Waouh. Pas d'étincelle. Ok, il en reste 2 petits ici. Pas d'étincelle. Oh, oh, oh! Est-ce que c'est... Ah! Ok, ok. Du food pour Verdil, ça a l'air. Pas d'étincelle. Et puis, j'ai rien d'autre. J'ai ça, est-ce que... Ah! Lave-la à tort. Bon, ben, j'ai plus besoin d'invoquer mes... Hein, mes petites pierres, donc... Ok. Bon, ben, désolé si la vidéo est courte, mais le résultat est là. Vous voulez voir mes réactions, en v'là une, live. Ben live non, mais en v'là une. Waouh, 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 waouh. Honnêtement, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ça, waouh. Gagné à tort, man. Je commence à avoir des beaux petits mobs pour RTA. Honnêtement, je sais pas comment je vais la runer. On regarde tout ça ensemble, voir. On peut regarder ça ensemble. Ok, donc... est-ce que... Faut la runer premièrement en Vio ou Swift. Je crois que c'est Swift. De toute façon, moi, c'est sûr que ça va être en Swift. Parce que je n'ai pas des Vio assez rapides. Donc, ici, Swift. Ok, j'ai. Ce. Ok. Ouais. Sinon, est-ce que j'ai quelque chose d'autre en 6 étoiles? J'en ai une là. Ouh. Ah, mais là, ça me prend beaucoup de précision, c'est ça qui arrive, ok. On va vider de la précision, c'est que... Oh, j'en ai une là. 12 de précision, mais il y a juste vraiment pas de... de stats tanky. Là, il y a du PV, ok. Ça, c'est la reine de mon Poséidon. Il y a combien? 7 de précision. En énergie. Sinon, j'ai une Vio ici. Ok. Bon ben exemple, on va faire un petit exemple parce que c'est sûr que j'aimerais ça que ce soit quand même plus tanky. Donc on va faire un petit exemple comme ça. Vitesse, est-ce que 6 de vitesse, 4 de taux critique, c'est pas bon? Là c'est sûr que j'ai des runes un petit peu bof. Ma rune à galion est assez folle. Oh, celle-là. Ok, bon ben nice, c'est pas mal le mieux que j'ai pour l'instant. Est-ce que j'ai une def pour cent? Non. Est-ce que j'ai une PV pour cent? Non plus. On va enlever la précision peut-être. Ok. J'ai quoi? J'ai 23 de précision. Ok. Si on met def pour cent. Konomiya. 4 de vitesse, c'est atroce. Est-ce que... À moins que j'enlève ça.
4 de vitesse encore, c'est atroce. 4, 4, 4. Là, j'ai 3. Ok, ouais. C'est pas mal. Ok, ben regardez, je vais. Ouais, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever le rapide. Oh! Oh! Une vio! Oh! Ok. Sinon, j'ai ça. En fait, je vais juste remettre la précision ici, juste pour être sûr. Bon, c'est la meilleure que j'ai. Bon, ben parfait. Est-ce que ici j'aurais une rapide quelque chose? Défense, non plus. On va enlever la précision. 3 de vitesse, wesh. Est-ce que 6 de vitesse ici? On est 5 avec 15. Ouais. Ça, c'est tôt. 700, def comme ça. Précision. Oh, il y a trop de précision. Ici, il n'y a rien. Bon, ben exemple, on va prendre celle-là. Et puis, ok. Et puis, c'est ça. Dans le fond, c'est pas mal toutes les runes de mon. Mon petit chose binouche. Mon Thésarion qui va partir. Donc, c'est ça. Précision. J'en ai une seule. Oh, 16% de précision, mais 3 de vitesse, c'est atroce. Je peux pas mettre ça. J'ai 5 de 19% de PV. Ça, c'est pas si mal. Mais. J'en ai 8. Ok, 8 de speed ici avec. C'est pas mal la meilleure à date. Bon, ça va être la meilleure. Est-ce que j'ai quelque chose de pas pire ici? Avec de la précision, c'est-tu possible? J'en ai une seule encore. Bon. Ok, c'est pas. Oups. C'est pas si mal. Ok, 10 de vitesse ici. L'exemple, je fais ça. J'ai plus 110 de speed. 34 de précision. Mais lorsque je vais l'éveiller, je vais gagner 25% de précision. Donc, je vais tomber à 40. Non. 59? 59, donc c'est quand même bien. Mais elle est ultra squishy, comme vous avez vu, zéro défense. Est-ce que. Là, j'ai une rune 17. Thésarion, il y a quoi? Ah oui, il y a un 23. Moi, je parle là. Attends, si je fais ça, exemple. Je perds de la vitesse, je gagne de la vie, je gagne 500 de vie, je perds un petit peu de défense, ouais, je sais, j'ai aucune idée pour vrai. J'en ai aucune idée. Normalement, je vais mettre celle-là. Quoique, elle est même pas meulée. J'ai une pierre de rival. Celle-là est pas meulée. Ok, je vais mettre celle-là. Je vais mettre celle-là parce qu'elle est même pas meulée, tandis qu'elle est meulée à 10. Donc c'est ça. Fait que c'est ça qui est ça. Est-ce que. Ah, ça aurait été vraiment fou, hein, que j'avais une petite rune volonté ici en vitesse. Véro. Ah oui, mon Véro, il y a ça. Ouais, ben vous savez quoi, guys? Je pense que 12 précisions. Je parle 12 de précision, man. C'est ça qui se passe. Tandis que il y en a pas. Je parle 12 de précision pour avoir le l'immunité en début de tour. Mais attendez, je gagne 19% de PV. Ah, quand même, hein, plus que ça. Attendez. Je tombe à plus 10 000. Sachant que c'est un monstre PVP, bon, je pense que ça vaut la peine, honnêtement. Je pense que ça vaut la peine, honnêtement. Donc, ça va ressembler à ça, je crois. Bon, ben, Swift Will. Nice. C'est sûr qu'elle est pas le plus rapide possible. Exemple, ça, 5 de vitesse. Exemple, je fais juste n'importe quoi, là. J'ai une 6 ici. 5, sinon 5, sinon 5. Là, vous avez voyez, c'est dégueulasse. Sinon, celle-là, est-ce que ça vaut plus la peine? Pas du tout. Non. Donc, ok, en haut, j'ai une 8. Est-ce que j'ai une chance d'avoir plus haut que 8? 5, j'ai une 8 ici. Avec 12 de PV, ça, j'ai 8 de PV. Ok, ça, c'est plus 6. J'ai pas de pression, ça sert à rien de la monter. J'ai une 12 là. Ici j'ai une 7, ici j'ai une 7 aussi. Ici est-ce que je peux avoir quelque chose de mieux?
6 là. Ah, j'ai 11 de précision aussi. Non, j'ai pas le choix de garder cette rune-là, là. Je n'ai pas le choix. Bon. Fait que ça ressemblerait à ça. J'ai pas assez de mana comme vous venez de voir, mais ça ressemblerait à ça, honnêtement. Ok. Bon, ben, nice. Je suis vraiment content, guys. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de Summon Session. Moi, je l'ai très apprécié, comme vous avez vu ma réaction. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, commentez, partagez, likez. Et puis, on se revoit sur une prochaine vidéo, guys. Peace!